Vous coupez. Ah, merci mon frère. Ah, voilà le coupé-coupé de 700. Les gens ne savent pas que la vie est devenue chère au Gabon. Mais ils vont dire que aller manger le coupé-coupé, c'est le buzz. On va compter le nombre de morceaux de viande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Voilà, avec les ennemis là. C'est ça là qui fait 700, le coupé-coupé de 700. Donc quand vous dites que Yali allait manger le coupé-coupé, oui, il a mangé le coupé-coupé, mais est-ce qu'il sait que la viande a augmenté? Est-ce qu'il sait qu'en ce moment-là, voilà le coupé-coupé de 700 francs? Là, je suis du côté de Kingelé, hein, dans les quartiers où les gens souffrent. Mais la viande comme ça est à 700. C'est qui est apporté à nous-mêmes. Donc, peuple gabonais, je vous demande d'être conscient. Arrêtez de faire dans les blagues là. La vie devient chère et la chair était tape à nos portes. Il n'y a pas l'huile, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Yali, le peuple souffle. Toi, tu as mangé le coupé-coupé, oui, mais tu ne sais pas combien ça coûte. Mais nous, on connaît le vrai prix. Et la viande a augmenté. En bon entendeur, je mange.